Yo tout le monde, c'est Lunard, on est parti sur le 25ème épisode sur Pokémon Soul Silver. Donc j'ai fait monter Wyndburn, j'ai fait monter Chewing-Gum qui a évolué au niveau 40, et un tout petit peu Dark Snake, je pense que je vais continuer à faire augmenter. Donc, ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est d'aller faire les Torbizil. Et j'ai appris la map par cœur des Torbizil, donc ça devrait pas poser de problème. On y revient. Quel énorme tourbillon voulez-vous utiliser? Voilà. On utilise Surf qui nous amène là. Voilà. C'est la seule entrée qu'il faut utiliser parmi les quatre. Il y a quatre entrées qu'il faut prendre. Que vous pouvez prendre, mais il n'y a qu'une seule entrée qui est une bonne. Et cette entrée, c'est celle-là. C'est celle-là au nord-est. Voilà. Et par conséquent, bah, vous pouvez alors faire n'importe quoi, explorer tranquillement, du moment que vous ne tombez pas. Et c'est ça bien le problème des choses, c'est que vous tombez super rapidement. Dans un piège, dans une bêtise, dans... Voilà. Donc dans cet endroit, vous avez des choses à... Vous avez pas mal d'objets et nos objets sont j'espère bien de la grosse merde. Voilà, ce qui m'avantage pas du tout. Donc voilà, on revient en arrière. Donc j'ai fait ce long chemin pour rien, même le max repoussé gaspillé, donc on y revient. Voilà, au max repousse. Le plus embêtant, c'est de faire tout le chemin, hein. Voilà, là on a un objet, je ne sais pas ce que ça va être. Lettre avion, ce qui est cool. Non mais pourquoi on a que des objets de merde, quoi? Faut pas déconner, on a le droit d'avoir des bons objets de temps en temps, non? Bon, là, on y va. Là, il y a un escalier. Là, il y a un objet, et je pense encore à un objet 2. Non, j'ai rien dit. On a la Master Ball, tranquille, pas de problème. La Master Ball se déplace tranquillement, Et... Et voilà, on a la Master Ball. Ce qui n'est pas terrible, Et voilà, on a la Master Ball. Et j'ai dû me tromper en apprenant ma map, ce qui est cool. Je me suis trompé en apprenant ma map, d'accord. Donc c'était pas dans cette île qu'il fallait aller. Ok, on récupère la faible ball. Donc si c'est pas dans ce chemin, il n'y a qu'un seul chemin possible. Donc c'est au nord-ouest finalement. Au nord-ouest. Donc là on doit être au sud-est. Si je regarde bien. Ouais, on est au sud-est, ce qui n'est pas cool puisqu'il faut aller au nord-ouest. Au nord-ouest. Alors, le chemin que j'ai fait ne servait complètement à rien, par récupérer des objets de merde, qui me serviraient à rien, d'accord. Ok, bon, on revient au nord-ouest. J'espère que je peux l'éviter. Bon, un petit combat. Quand même, petit combat premier du... Comme vous pouvez le voir, c'est des... J'ai fait n'importe quoi, merci de votre compréhension. J'ai fait n'importe quoi. Ok, ma chouille. Outre-tique, c'est cool, Dark Snake. Tu fais donc le boulot bien. Oui, je me suis planté de touche parce que j'ai modifié l'ordre des attaques et du coup... pour l'entraînement, pour juste spammer le bouton A, voilà, du coup voilà ce qui se passe.
Donc le nord-ouest, j'espère que c'est bien cette zone. J'ai pas bien vu les... dans quel sens on pouvait sauter les barrières, du coup. Donc, voilà. Mais je pense que cette fois, ça sera la bonne. Du moins, je l'espère. Et voilà. Voilà, nord-ouest, c'est... ouais, c'est le chemin qui est normalement... alors là, il ne faut surtout pas sauter. Il faut continuer sur la lancée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis planté au niveau des barrières. Ce qui n'est pas terrible, mais là, je reviens à peu près sur mes pas. Sur là où je devais être. Ce qui est à peu près normal, disons-le. Il ne faut surtout pas que je tombe. Et là, normalement, ça devrait y aller. Voilà, là. Là, on est au bon endroit. Donc, j'ai dit n'importe quoi au début de l'épisode. Il fallait être au nord-ouest, sauter les deux barrières, et puis voilà. Bon, après, il y a les deux objets que j'ai pu vous montrer. C'est... tu l'as enfin trouvé, je te prie, rentre. Voilà, donc il y a deux zones dans cet endroit, et donc nous allons d'abord faire un petit saut à la première, et après nous allons à la seconde. J'ai envie de tenter de battre Lugia. Voilà, là c'est la première, donc on voit la cascade. On voit pas Lugia, on voit pas Lugia du tout. J'aurais aimé voir Lugia en pleine puissance. Pour nous mettre bien dans la peau, du moment où on va pourrave la vie à Lugia. C'est exact, c'est ici que nous allons cueillir Lugia. Quand le glade de tempête que nous avions... ok, il faut que le glade tempête rentre en résonance avec la danse. Et... mettez-vous à danser, mes chères mesdames. Dansez pour moi, allez-y. C'est quoi cette danse de merde? Moi je dis... je n'approuve pas. Je mets un pouce rouge à cette danse. Au secours! Mais ils auraient pas pu faire un truc mieux que ça à l'époque! Personnellement! Ils ont mis une musique juste un déplacement de personnage, d'accord. C'est nul. Ok, il y a Lugia. À la limite, ça c'est mieux. J'ai bien dit à la limite, si ça a égalé les talents de dessinateur des créateurs du jeu. Vénéré depuis les temps reculés. Ok, jusque là. Est venu. Attends, il attend ma venue. Voulez-vous utiliser Surf? Je préfère buter les légendaires. Hein. Je préfère le buter en beauté que de l'attraper avec une Master Ball. Si je vois qu'il est trop difficile à faire, je lancerai la Master Ball puisque c'est le premier Pokémon que je rencontre. Et donc je n'ai pas... et donc j'ai le droit de la capturer, mais pas de l'utiliser. Il est quand même niveau 45, donc un petit chewing-gum. Ça peut faire pas trop de dégâts.
Mais pourquoi? Coup critique. Allez, on commence. Mais c'est n'importe quoi. Bon, je lance la Master Ball. Mon seul espoir de le battre, c'était ça et puis coup critique. Mais c'est dégueulasse! Hello, je suis un Lugia, je fais coup de critique 100% des cas! Mais j'ai de poivre la gueule! Voilà, je vais t'appeler abruti, comme ça tu vas dégager de là. J'aurais jamais dû essayer de le battre, mais il peut pas faire un tout ce qu'un coup critique. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. N'importe quoi. N'importe quoi. Vas-y, mais dégueulasse! Mais y'a rien de plus dégueulasse que ça! Mais c'est pas possible de faire un coup de critique dès que ça commence! Non, mais monsieur décide de faire coup de critique! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible quoi, c'est pas... Mais non, c'est dégueulasse! Absolument dégueulasse! Alors que j'avais bien construit ma team et tout ça? Non! Il a pas servi de pâté pour vous, que je vous la montre... Mais non quoi, coup critique, monsieur coup critique arrive. J'y pète un câble. Il peut pas faire autre chose qu'un saleté de coup critique, mais non. Hello, je suis monsieur coup critique. Oh putain, je suis revenu au même endroit. J'y pète un câble, j'ai pas de corde sortie, je fais comment? Je fais le chemin à l'envers, c'est ça? Merci. Oh là 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 là. Mais vas-y! C'est pas possible! C'est pas possible! Techniquement, c'est... Voilà, c'est l'exemple même de ma malchance absolue. Plus Lugia, c'est... C'est plus un Pokémon tank, quoi. C'est pas un Pokémon... Nous, on va regarder les stats. On va bien comparer, on va bien se marrer. Plus il avait absentéisme. Aéroblast, voilà. Et t'as quoi en attaque spéciale 93. Une attaque spéciale de merde. Et on va regarder Broham. On va regarder s'il avait vraiment une attaque spéciale. Une défense spéciale de merde. Bon, ok. Mais non, quoi. C'est pas possible. Il n'y avait pas coup de critique, je l'aurais largement battu. Mais non. Non. Il décide de faire coup de critique sur le seul coup qu'il a.
Ça me gave purement, ça me... Y'a pas d'autre mot que ça, quoi, ça me gave. Je vais me calmer, là. Mais purement! C'est purement dégueulasse! Ça m'énerve. Ça m'énerve. Coup de critique! Chouette! Chouette! Clairement! Mais non, pas possible! Vas-y, utilise le fer timide. Coup de critique! Ça me rend dingue! Mais je l'aurais buté en un coup. Mais non. Il faut que ce soit lui qui fasse un coup de critique. Monsieur décide de faire des coups de critique, hein. Mais si de monsieur décide de nous embêter à donf. J'y crois pas. J'y crois pas. D'accord, regarde la carte de ton Pokémon. Mais tu veux vraiment que je t'explose? Vive la une chance sur 8. Bon, je vais utiliser cascade sur... Alors que largement, je le butais. Oh là là, mais m'énerve, comme m'énerve. Bon, d'un autre côté, il est pas indispensable, mais voilà quoi. C'est du dégoût que j'ai en moi, c'est vraiment du gros dégoût. Vas-y, quoi, vas-y. J'ai qu'à espérer de tomber sur un bon Pokémon. Je sens que c'est l'heure pour moi de me tirer une balle dans... Moi, j'ai pas envie d'utiliser une hyperbole sur un Armulis. Non, merci. Bon, je vais l'appeler Papillon. S'il évolue. Si un jour je serai obligé d'être forcé dans mon équipe. Te prendra dans mon équipe, je vais t'appeler Papillon. D'accord? Mais c'est vraiment si je suis vraiment forcé. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Regardez la rencontre troll. Bon. Non, c'est pas une rencontre troll, ça va. Tu calques Isogresse, d'accord. Regardez sur quoi on aurait pu tomber. Enfin, bon. Non, en fait, ça va. J'ai plus trop de regrets, en fait. Tu t'entraînes en solitaire? Mais je vais te pourrir toute ta vie entière. Comment se faire pourrir sa vie par un Lugia qui fait un coup de critique? Non, c'est même pas imaginable.
ok, j'ai pris un risque pour rien, mais 7 chances sur 8, c'est du gros n'importe quoi. Je voulais faire un truc beau et puis non. Ah oui, il faut que je remette les animations de combat, puisque oui, j'ai fait une heure d'entraînement pour notre joli chewing-gum qui est mort. Et oui, j'ai fait une heure d'entraînement et du coup j'ai eu besoin de retirer les animations combat. Mais cette heure d'entraînement n'aura servi à que dalle, puisqu'il est mort sur un coup critique. Animation combat. Option. Je me tremble toujours avec ma clé à molette, hein, c'est normal. Ok, bon, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? On dit... Oh, c'était vraiment super chouette. Ok, surf. Je tombe sur un Smogo. Je crois que c'est une nouvelle route, donc je vais le capturer. Et Smogo peut être vraiment génial. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie Florida, il est niveau 20, donc ça va. Je le paralyse, je fais un peu ce que je veux. Il est niveau 20, c'est un Smogogo, donc je risque pas de le one-shot sur un méga sensu. Ne me dites pas qu'il vient d'afficher, ils paraissent. Pourquoi j'ai une chance de... Coup de critique, on s'en fout. Hein? Allez, un deuxième coup de critique de l'épisode qui fait tout planter. Bon, ok, il avait paresse. Je l'avoue, il avait paresse. Sur quoi on aurait pu tomber aussi. Bon, ok, Flogler. Non. Quoique c'est un bon Pokémon, Flogler. Mais non, je l'aurais pas utilisé. Ah, da, 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 da. S'il y a rien de plus qui gave que... J'en ai marre. J'en ai marre de cette malchance que j'ai depuis le début. Il va se danser, il va faire un coup de critique, je le sens. Merci, t'as l'intérêt à le buter. Parce que là, après, il fait un coup de critique et t'es mort. Je parie à 100% qu'il fait un coup de critique. Vous pariez combien? Ah non, ça va. Ça va, ça va. C'est le retour de la chance, on dirait. C'est le retour de la chance. Le fait même que les ennemis en face fassent pas de coup critique ou je ne fasse pas de coup critique au mauvais moment, c'est bon. C'est bon signe, ça veut dire que tout se passe bien. Voilà. Ok, hyper potion sur Mamie Gâteau, qui est contente. Ah là 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 là, les critiques au mauvais moment. C'est mon fort, c'est mon fort. C'est mon point fort, c'est... C'est tout un art, hein, c'est tout un art, les critiques au mauvais moment. Il faut pile viser le moment où ça ferait le plus... embêté, hein, exactement ce moment-là, parce que un peu trop tard, c'est mort. Togepi, d'accord. Togepi, cascade, voilà, fini, hein.
Je me dis que j'ai fait une gaffe. Oh non, je suis débile. Roselia, une bonne défense spéciale, une bonne attaque spéciale, je suis mort. Ah non, ça va. Ne refais pas de bêtises comme ça, d'accord? Bon, Baudrive est un peu nul. Son seul défaut, c'est d'avoir justement une bombe finale qu'il n'a pas puisque c'est random. Je le savais, c'était random. Merci. Coup critique. Coup critique. Je vais me calmer, je vais essayer d'oublier cet événement. Bon, Mamie Gâteau est contente que il y a Voltali en face. Et donc comme t'es contente, tu vas faire un beau truc, d'accord? Un beau bonbon dans la gueule du Voltali. Et cascade pour finir. Oui, cascade. J'aurais dû faire... Non mais en fait on s'en fout si... Ouais, j'aurais dû faire surf, ok, ou s'il avait boom final. Ou un truc du genre. Ok, je gagne de l'expérience, qui est cool. Et j'apprends séisme, ce qui est, je le dis, la meilleure capacité à apprendre. Voilà, 100% de précision, 100% de trucs. On va enfin pouvoir se régaler, n'est-ce pas, Mamie Gâteau? Voilà, Mamie Gâteau a pulvérisé la moniteur en face. Oui, pulvériser, c'est un bon mot pour ce qui s'est passé. Et pour ce qui va se passer par la suite, c'est un mauvais mot. C'est-à-dire se faire pulvériser. Ça va, en fait. Mamie Gâteau a une bonne défense, je crois. C'est cool. Un Karchakrok avec turbo. Qu'est-ce que ça fout là? Et je vous jure que si je rencontre un grignote ou un... Je le prends. Hein, le Karchakrok turbo, je le prends. Pas de coup de critique, j'espère. Pas de coup de critique. Pas de coup de critique. Je prie pour qu'il n'y ait pas de coup critique, s'il vous plaît, donnez-moi un nom coup critique. Pourquoi le critique a été inventé dans Pokémon? Exprès pour foutre la rage à ceux qui tombent dessus. Non, je ne veux pas devenir partenaire. Par contre, je veux bien devenir partenaire si tu me donnes ton Karchakrok avec la bonne capacité spéciale, ce serait vraiment cool. J'ai un papillon, j'y crois pas. Oui, je peux faire comme dans Noir 2, prendre un sweat sacrifice, mais... Dans pleine forme, t'es capable de battre le maître de la ligne. Je n'en doute pas. Que c'est pas avec ce genre de Pokémon que tu battras le maître de la ligue. J'ai failli me dire que je suis dans la merde, j'ai pas de Pokémon feu, mais en fait j'ai Wingbird qui est exprès là pour ce genre de situation.
Oh non, mais tu vas te faire sucer. Windburn se fait sucer un sixième de sa vie, oui. J'utilise vol et je me refais sucer. Et puis, bon, comme c'est super efficace, c'est bon. Mais après, il faudra que je switch, puisqu'après, je vais me refaire sucer. C'est pas bon du tout pour moi. Voilà, j'ai perdu un huitième de mes... Un peu plus d'un huitième. J'ai l'impression. Un huitième à peu près, je pense. Il faut que... Oh non, mais c'est dégueulasse. Je vais... Ouais, je me suis fait trop... 3/16. Voilà, il faut que j'utilise vol et je vais me reprendre des dégâts, full dégâts. Mais t'as que malédiction? J'y crois pas ou quoi? Mais non, à ce niveau-là, t'as pas que malédiction quand même. Bon, maintenant que je me suis fait bien sucer la moitié de mes points de vie, je vais devoir switcher. C'est même pas une question de se faire sucer là, c'est une question de se barrer vite. Peut-être que tu fais machination, mais moi en tout cas je te balaye de là. Type ténèbres, glace. Voilà. Zut, c'était dans l'autre sens qu'il aurait fallu le faire titan. Dans l'autre sens. C'est dans le sens inverse que les PV partent. Galifeu. Pas avec garde mystique encore. Ouais, balayage. Je suis Choice Scarf donc ça va. Il peut me faire pic-pic, mais ça va. Il peut me faire double pied aussi, ce qui me ferait moyennement mal. Bon, le poussif-feu du début avait garde mystique. Mais bon, en évoluant, j'ai appris qu'ils pouvaient perdre leur capacité. Et ce qui m'a valu... une perte sur chimpanzé. Chimpanzé est mort, je ne sais pas. Ah oui, face à un Altaria, parce que j'avais rien du tout pour tanker Altaria. Ce qui est toujours le cas, en fait. À la limite, j'aimerais voir sur quoi je pourrais tomber. Là, dans les armes, je suis encore sur la même route. Hein. Il n'y a pas de changement de route pour l'instant. Négapi ! Mamie gâteau, fais-en moi du gâteau. D'accord. Donc d'abord on commence par réduire les petits Pokémon en bouillie. Après vous les disposez un peu, vous les coupez en rondelles. Vous voyez, vous les coupez en deux petits rondelles que vous disposez dans un... Dans le... Ok. Sur quoi j'aurais pu tomber aussi? Ouais, je vais te buter quand même. Si t'as garde mystique, je suis content. Non, t'avais pas garde mystique, non, non. Par contre, un Fouinette avec garde mystique, j'aurais dit... Oui, 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 un Pokémon normal avec garde mystique, je prends direct. Il n'y a même pas question de dire... Non. C'est oui, direct. Bon, avec elle, on peut soigner ses Pokémon, donc je veux soigner mes Pokémon. Donc je vais aller soigner mes Pokémon. Laisse-moi te reposer. Et ouais, moi aussi, je vais prendre une petite pause, donc je vous dis merci d'avoir regardé. Bon, la pause après le combat. Si ce n'est un mort de plus.
je vais aller me calmer, puis ça ira sûrement mieux au prochain épisode. Terduza est là. Bon, Terduza pas très très compliqué à battre. Défense de merde, défense spéciale de merde, attaque. C'est un Little League, voilà. C'est un Little League donc. C'est pas ton taf, donc tu te dégages de là, d'accord? Mamigato, quand c'est pas ton taf, tu laisses ta place à Moonbird. C'est simple, non? Ta seule principale faiblesse, c'est plante. Donc voilà. Ok, tu utilises grincement, ce qui est pas bon, mais bon. On a utilisé vol sur Arcos, ce qui était cool, et puis voilà. Amigato gagne de l'expérience. Ok. Ah non, moi, j'ai pas envie de répondre à Célesta. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder cette vidéo. Car merci et bye.